Il faut savoir que la solubilisation des complexes humains, donc, elle est facilitée par le complément, exactement par ce dépôt de C3B sur ces complexes humains, pour qu'elles soient donc transportées convenablement par les érythrocytes vers donc les cellules phagocytaires au niveau de la foie et de la rate. C'est pour cela, donc, en cas de déficit en complément, malheureusement, on va avoir une mauvaise solubilisation de ces complexes humains et par conséquence, on va avoir des dépôts tissulaires. La taille des complexes humains influence leur élimination. Donc, on a parlé de ça, que les grands complexes humains donc sont éliminés, sont mieux éliminés que les complexes humains de petite taille. Donc, ils sont donc éliminés en quelques minutes par le foie. Ces complexes humains de grande taille, donc, ils ont une avidité plus forte pour les récepteurs des immunoglobulines exprimées donc sur les cellules phagocytaires. Il active davantage le complément et par conséquent, il va y avoir le dépôt de C3B en plus à de façon donc plus importante à l'allèle complexe humain. Il va y avoir donc par conséquent une liaison plus facile aux globules rouges, alors que les complexes humains de petite taille restent plus longtemps dans la circulation sanguine. Donc, la défaillance de la phagocytose va entraîner aussi donc une persistance des complexes. Donc, l'excès des complexes humains peut dépasser les capacités d'épuration du système phagocytaire. L'augmentation de taux des complexes humains circulants et de dépôt tissulaire de ces complexes humains. Et donc, a priori, il semble davantage s'agir de problèmes de saturation que le déficit primaire. Donc, قلنا بلي راح يكون عندنا بروبليم دو ديبو ليزيونال اون كا دان ديفيسيت اون كومبليمون ولا اون كا سي اون نوسوم دوفون دونك ان اكسي دي كومبلكس هيمان كي ديباس لي كاباسيتي ديبوراسيون دونك سو سيستيم فات اتر ساتوري اي بار كونسيكونس il va y avoir des complexes humains qui vont rester circulants et qui vont se déposer dans les tissus. Naya donc cet exemple donc c'est un c'est pas un déficit primaire, donc c'est à cause de la saturation. Ça veut dire que c'est pas un déficit primaire, ça veut dire que c'est pas les cellules phagocytaires, nous sommes devant une personne donc déficient en cellules phagocytaires. Une cellule phagocytaire qui n'existe pas ou des cellules phagocytaires qui ne fonctionnent pas correctement. Non, on a droit à l'exemple des cellules phagocytaires qui fonctionnent normalement, mais elles sont dépassées par le nombre très important des complexes humains. C'est pour cela qu'il y a le mot, il semble davantage s'agir de problèmes de saturation que de déficit primaire. Donc, les complexes humains, qui sont donc formés par des antigènes solubles avec des anticorps, vont entraîner donc, normalement, s'il n'y a pas de problème, il va y avoir l'activation de compléments par la voie classique. Ce sont des grands complexes insolubles, donc ils vont transporter par les globules rouges qui expriment donc le CR1. Ils vont être donc achevés jusqu'au système réticulo-endothélial, c'est-à-dire les macrophages spléniques et hépatiques. Ce sont donc des petits complexes, ils vont être éliminés par le même système, mais de façon donc plus lente que donc s'il s'agit des grands complexes. Si nous sommes devant un déficit en complément, donc ces complexes humains vont rester insolubles, donc il y aura un défaut de solubilisation de ces complexes humains, parce qu'on ne peuvent pas donc il n'y a pas de dépôt de C3B sur ces complexes, donc ils ne vont pas être transportés par les érythrocytes, donc il va y avoir leur dépôt au niveau tissulaire et on va avoir des lésions d'hypersensibilité de type 3 après leur dépôt donc sur les tissus. Aussi, si nos hommes, donc, nous sommes devant donc, des antigènes persistants, tels que par exemple si nous sommes devant un exemple expérimental, donc c'est l'administration donc en continu à l'antigène, ou là nous sommes devant un modèle réel, par exemple une infection persistante. Donc dans ce cas, on a des antigènes persistants. Donc toujours, donc, les complexes humains donc, vont donc dépasser donc, le système donc, vont dépasser donc le système
phagocytaire, donc le système phagocytaire va être saturé, il va y avoir aussi un dépôt avec tes lésions tissulaires. Ou là, en cas par exemple d'expression faible, tu as le CR1 par les érythrocytes. Il va y avoir donc un défaut de solubilisation, tu as les complexes EMA et par conséquent des lésions d'hypersensibilité de type 3. Quelles sont donc les lésions tissulaires provoquées par ces dépôts de complexes EMA? On va parler d'abord concernant ces lésions tissulaires par les dépôts de complexes EMA. On va donc détailler d'abord les facteurs influençant les dépôts. D'abord, la perméabilité vasculaire, qui est un facteur majeur de dépôt, c'est-à-dire le dépôt est dépendant de l'action préalable de la substance vasoactive. Donc, il va y avoir une augmentation de la perméabilité vasculaire et par conséquence, les complexes EMA, ils peuvent se déposer sur les membranes basales, tels les tissus. Parmi donc aussi les facteurs qui influencent les dépôts, c'est l'hypertension artérielle et les turbulences vasculaires qui favorisent la constitution des dépôts. Donc, il est plus élevé dans les capillaires. Pour cela, il est plus élevé donc dans les capillaires glomérulaires, qui est le site privilégié des dépôts. Le dépôt il est ralenti par ligature partielle de l'artère rénale. Et dans la maladie sérique, les dépôts glomérulaires croissent avec l'augmentation de la tension artérielle. Donc, chaque fois qu'il y a de la tension artérielle, le dépôt augmente. Le dépôt aussi est plus nombreux dans les zones de turbulence artérielle, telles que les bifurcations ou les filtres artériels, tels que le plexus choroïde et les corps ciliaires. La persistance donc des complexes EMA circulants n'est pas directement responsable d'un effet pathologique. C'est le dépôt tissulaire qui est pathogène. Je répète, l'information parce qu'elle est très importante. Donc, ce n'est pas le problème fait la persistance des complexes EMA circulants dans la circulation. On peut avoir des complexes EMA circulants, on m'a dit, oui, t'as problème. Le problème, c'est qu'ils se déposent sur les tissus. Une fois qu'ils sont circulants, ils ne s'éliminent pas rapidement. Ils vont se déposer sur les tissus. Ou il y a le problème de la pathologie. Ou il devient pathogène. Après le rôle, tu as les facteurs influençant donc les dépôts. On va parler. Elle a le rôle de l'affinité des antigènes pour certains tissus. On a donné quelques exemples. Par exemple, le lupus érythémateux disséminé, qui est une maladie auto-immune. Les complexes EMA aiment se déposer sur les reins. La polyarthrite rhumatoïde, les complexes EMA ont une affinité pour se déposer dans les articulations. Il faut savoir que le lupus érythémateux disséminé ou le polyarthrite rhumatoïde sont des maladies auto-immunes type hypersensibilité de type 3. Il y a la formation des complexes EMA. Maintenant, le complexe EMA, c'est entre antigène et anticorps, entre anticorps et un auto-antigène, un antigène de soi. C'est la différence, les maladies auto-immunes. L'antigène, il n'est pas exogène, c'est un antigène de soi. On a, c'est l'exemple de la maladie sérique. C'est un antigène de soi qui forme des complexes EMA circulants. Le lupus, il a une affinité pour le rein. Pour le polyarthrite rhumatoïde, il a une affinité pour les articulations. C'est pour cela les manifestations cliniques, ça dépend le dépôt les complexes EMA. Il y a aussi un rôle de la taille des complexes EMA. Les petits complexes EMA traversent la membrane glomérulaire et se trouvent au niveau épithélial. Alors les grands complexes EMA s'accumulent au niveau endothélial dans le mésangium. Donc, une réaction. Maintenant, on va entamer, après les mécanismes lésionnels, on va entamer donc les hypersensibilités, les exemples d'hypersensibilité type 3 en pathologie humaine. On va sortir de ces modèles expérimentaux. Les modèles expérimentaux, c'était le but de c'est d'étudier
hypersensibilité de type 3 pour comprendre donc les mécanismes et les effecteurs de cette hypersensibilité type 3. Mais dans la pathologie humaine, on a trois groupes de pathologies avec complexe MA. On a les infections persistantes avec faible réponse humorale. On a les pathologies auto-immunes. Ou on a les pathologies secondaires à l'inhalation de matériel antigénique. Donc les infections persistantes avec faible réponse humorale, donc on a devant un excès d'antigène. L'antigène, donc, il est de nature microbienne. Il peut être le lèpre, le paludisme, la dengue, les hépatites virales. Ou on a le dépôt des complexes MA qui sont les organes infectés. Les pathologies auto-immunes, qui comme ce sont des auto-antigènes. Exemple, l'arthrite rhumatoïde ou la lupus érythémateux disséminé ou là les polymyosites. On a le polymyosite, ça veut dire le dépôt qui sera les muscles. On a le dépôt des complexes MA qui conçoit les reins, les articulations, la peau, les artères. Donc ça dépend de la maladie auto-immune. Les pathologies secondaires à l'inhalation donc de matériel antigénique. L'antigène, il est exogène. Il peut être végétal, animal ou là des moisissures. L'exemple, on a le poumon fermier de fermier. C'est l'actinomycète, le poumon éleveur à oiseaux, l'éleveur d'oiseaux, ou là le poumon championniste, ou là les laveurs de fromage. Dans tous ces modèles, le dépôt des complexes MA, il est local, comme la réaction d'Artus, mais là c'est au niveau des poumons. On va commencer par les maladies humaines équivalentes au phénomène d'Artus. On a la réaction d'Artus. On a l'alvéolite allergique extrinsèque. Alvéolite, donc, une inflammation au niveau des alvéoles, allergique parce qu'elle est suite, une hypersensibilité suite donc, un antigène exogène, extrinsèque parce qu'il est exogène. Donc, elle est considérée comme un exemple de réaction d'Artus par complexe MA formé localement, mais présence des lymphocytes T activés. Le rôle de ces cellules dans le développement des lésions est actuellement inconnu, mais fort probable dans certaines vascularites. Dû à l'inhalation de poussière extrêmement fine ou de vapeur chimique. On a les exemples de les alvéolites allergiques extrinsèques. Donc, elles diffèrent selon l'antigène et l'origine de l'antigène. Par exemple, le poumon de fermier, l'antigène, c'est l'actinomycète thermophile. L'origine de l'antigène, c'est le foin moisi. Maladie des éleveurs d'oiseaux, les antigènes, c'est les protéines du sérum et l'intestin. Les protéines du sérum et de l'intestin. L'origine, c'est les déjections d'oiseaux. Par exemple, la maladie des fromagers, c'est les spores de Penicillium caseum. Donc, c'est les croûtes, l'origine, c'est les croûtes de fromage. On a les maladies donc, des producteurs de champignons. On a donc l'origine, c'est le compost de champignons. Donc, comme vous voyez, c'est la même maladie. Donc, une lésion au niveau des alvéoles. La cause, c'est un antigène exogène ou elle départ donc dans l'antigène qui a une origine donc spécifique à lui. Les manifestations cliniques, donc environ 8 heures après l'exposition, on va voir une pneumopathie alvéolaire avec toux, dyspnée et des râles crépitants à l'auscultation, souvent accompagnée d'une fièvre, asthénie, un maigrissement en cas de répétition des crises. Et après soustraction de patients du milieu contaminant, on va avoir une guérison en quelques jours. La forme chronique, elle se manifeste par des rechutes successives, avec dyspnée permanente, avec une insuffisance respiratoire irréversible. À cause donc des lésions répétées. Chaque fois, donc une lésion, donc les dégâts irréversibles, et donc par conséquence, on arrive à un stade d'insuffisance respiratoire irréversible.
Donc, si on fait donc des biopsies pulmonaires pour ces patients, on va remarquer la présence d'anticorps précipitants au sein de l'interstitium de type IgG et capable de fixer le complément. Yani, ils sont capables d'activer la voie classique. On va avoir un infil. On va remarquer aussi au niveau de ces biopsies qu'il y a la présence d'un infiltrat cellulaire mononucléaire varié, parce que des PNN, macrophages, polynucléaires, éosinophiles, etc. Et on a donc des granulomes. Des granulomes. Normalement, vous avez parlé de ça, l'anapath. Le diagnostic, c'est par la mise en évidence d'anticorps sériques, la plupart de classe IgG, par des réactions de précipitation en gel. Où est le test de provocation? Donc, on va prendre le sérum de patient, on va le mettre en contact avec on va le mettre en contact avec l'antigène suspecté. On va remarquer une réaction de précipitation, mais en gel. Donc, on va utiliser une lame. Sur cette lame, on va mettre un gel d'agarose. On a deux techniques, la technique de Sterlini ou la technique d'électrocénérèse. Les deux techniques ont le même principe. Une technique donc passive, une technique donc on va l'accélérer donc par un courant électrique. Sterlini, elle est passive, c'est accéléré par un courant électrique. Sans rentrer dans les détails, l'essentiel, lorsqu'on va mettre l'antigène ou l'anticorps, si c'est l'antigène, il est spécifique à l'anticorps, alors l'anticorps, elle est spécifique à l'antigène, ils vont migrer ils vont migrer l'un vers l'autre. Ils vont marquer donc on va en voir donc un croissant au niveau de gel, un croissant de précipitation. Au moment où le gel ADA, il est transparent, mais si on a une réaction, on va avoir un croissant opaque, presque une blanche. Avec la précipitation, ça veut dire l'anticorps ADA, il a trouvé son antigène. Anaya hatit l'antigène, l'antigène T, il le connu. Je suspectais par exemple la maladie de poumon de Fermier, je vais utiliser un antigène de nature actinomycète thermophile. Si le patient, le sérum Tao, quel anticorps spécifique à cet antigène, il va y avoir la formation de croissant Hadec. Donc il va y avoir une précipitation. C'est une réaction de précipitation. Et ça, par conséquent, c'est un test positif. Et le patient a cette maladie, exemple poumon de foie. Poumon, pardon, de fermier. Moi, je veux dire allergique au foin moisi. Donc, le poumon de fermier. Voilà. Le foie, c'est l'origine de l'antigène. Comment on peut faire des tests de provocation? C'est-à-dire, on frotte le malade en contact avec l'antigène dans un milieu où il y a de l'antigène. Il va y avoir l'inhalation, il va y avoir l'apparition des symptômes. Parmi donc les maladies humaines équivalentes à la maladie sérique, donc comme la réaction d'Artus, on a les réactions médicamenteuses, on a les pathologies infectieuses. Et on a les maladies auto-immunes. Donc pour les réactions médicamenteuses. Donc, on a des globulines ou la dysimmunoglobuline anti-lymphocytaire. Donc, on peut avoir cette réaction médicamenteuse devant, par exemple, certains patients qui prennent, par exemple, la pénicilline ou la streptomycine ou là, les sulfamides. Là, c'est une erreur de frappe, hein, les sulfamides. Les pathologies infectieuses, exemple, certaines endocardites bactériennes. L'alvéolite allergique par infection bronchique, par exemple l'aspergillose, les vascularites urticariennes, l'érythème noueux ou l'hépatite B. Donc, il faut savoir que l'hépatite B, c'est une hypersensibilité type 3. L'exemple qu'on donne, c'est l'angine à streptocoque compliquée de glomérulonéphrite. Donc, exemple, mais les pathologies infectieuses. On a aussi
l'angine à streptocoque qui va être compliquée par une glomérulonéphrite. La glomérulonéphrite, suite après, juste qui se manifeste juste après une angine, c'est que les complexes EMA, ben, l'antigène streptocoque ou l'anticorps qui est formé comme réaction immunitaire spécifique, ils vont se déposer sur les glomérules. Il va y avoir une glomérulonéphrite. Dans le cas de l'exemple, on peut remarquer, donc, une fois vous allez faire la clinique, vous allez voir des patients qui font, c'est pas bzaf, mais vous allez remarquer des patients que lorsqu'ils font une angine à streptocoque, ils peuvent se compliquer par une glomérulonéphrite. Et c'est une hypersensibilité de type 3, c'est des dépôts des complexes EMA, ben l'antigène infectieux, l'anticorps, les glomérules. Parmi aussi l'exemple de la maladie sérique, c'est les maladies auto-immunes. Donc, on a les vascularites auto-immunes, maladies de Wegener, les péri-arthrites noueuses, le lupus érythémateux disséminé. Donc, le lupus érythémateux disséminé, plusieurs organes peuvent être touchés. Donc, les complexes EMA peuvent se déposer sur le système nerveux central, exemple le plexus choroïde, ils peuvent se déposer sur la peau, jonction dermo épidermique, il faut se déposer donc le rein, ce qui entraîne la néphrite, le pic, etc. Parce que le lupus érythémateux disséminé, elle a plusieurs symptômes qui sont donc éparpillés, plusieurs, le lupus, il touche plusieurs organes. C'est une maladie non spécifique d'organes, où la manifestation, les lésions, couvrent plusieurs organes. L'exemple de la maladie auto-immune, exactement le lupus érythémateux disséminé. Donc, l'endothélium, la membrane basale glomérulaire, le podocyte. L'ADN, qui est donc un auto-antigène, à cause donc de l'apoptose, il va être donc éliminé dans la circulation. Cet ADN, il va former donc des complexes EMA, mais des auto-antigènes, mais des auto-anticorps, pardon, de nature anti-ADN. Il va y avoir des complexes donc EMA, ben l'ADN de soi ou un auto-anticorps anti-ADN. Il va y avoir le dépôt sur la membrane basale. Et ce qui va donc activer les différents systèmes, donc le système de complément, l'attraction des cellules de la réaction inflammatoire, etc. Il va tout avoir toute une réaction inflammatoire au niveau de la membrane basale et par conséquent une néphrite lupique. Comment on fait le diagnostic de l'épar donc des différentes maladies d'hypersensibilité de type 3? Donc, comment on fait donc la détection de ces complexes EMA circulants? Parmi les méthodes donc de détection de ces complexes EMA circulants, on a la précipitation par le polyéthylène glycol. On a donc des techniques qui permettent donc on va profiter de la propriété de fixation des complexes EMA de complément pour détecter de ces complexes EMA. On a donc exactement la fixation des complexes EMA de la fraction CNQ, parce que c'est l'activation du système classique. Donc on va utiliser un support solide. Sur ce support solide, il y a donc la fraction CNQ de système de complément. Donc s'il y a donc dans la circulation, dans le sérum de patient, il y a des complexes EMA. Donc, le CC1Q, donc un site de fixation sur le fragment FC des immunoglobulines. Donc, elle va lier ces complexes EMA, elle va les fixer. Et par conséquent, lorsqu'on va utiliser des anticorps anti-IgG pour détecter ces complexes EMA, ces immunoglobulines qu'on va utiliser pour les détecter vont être marquées soit par une enzyme, si c'est une technique d'ELISA, ou là par
une molécule donc de chimiluminescence si on va utiliser une technique de chimiluminescence. D'accord. Ce qui va donc va donner donc un signal, ça dépend de la technique. S'il va donner un signal, donc c'est une réaction positive, et par conséquent, il y a la présence des complexes MA. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas ces complexes MA. Donc, regardez la technique, c'est une technique qu'on utilise en immunologie. Donc, regardez la technique, donc, elle n'est pas donc importante comme cette technique. Il y a aussi donc l'utilisation des cellules, qu'on appelle les cellules Ras-J, qui ont donc à leur surface des récepteurs pour le fragment Fc, donc des immunoglobulines. Et par conséquence, ils sont aussi donc des récepteurs pour le complément. Donc, par conséquent, ils vont permettre d'en détecter les complexes MA, fixant en eux le complément. Donc parmi les techniques aussi, ça c'est la deuxième technique qui m'intéresse après cette technique. Donc ce que m'intéresse Anaya, c'est cette technique qui utilise donc le C1Q pour capter les complexes MA. La deuxième technique qui m'intéresse, c'est l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, donc on a l'immunofluorescence directe et indirecte. Moi aussi, ici, je parle de l'immunofluorescence directe. L'immunofluorescence directe, on va utiliser le tissu de le patient. Ça veut dire qu'on va faire une biopsie. On va faire une biopsie. Et donc, en séquence, on va utiliser des anticorps anti-complément et des anticorps anti-immunoglobuline. Ces anticorps qu'on va utiliser, ils sont marqués par un fluorochrome qui donne donc une fluorescence une fois excitée au microscope à fluorescence qui m'a donné un dos des dépôts d'IgG. Donc si on utilise des anticorps anti-IgG marqués par un fluorochrome, on va avoir cet aspect où on imbibe le dépôt t'as les complexes MA, les canaux de l'IgG ou l'antigène de soi parce qu'on en a devant une néphrite lipidique, le lupus érythémateux disséminé. Il y a aussi la mise en évidence des précipitines. Les précipitines, c'est des anti, c'est des les précipitines ou les anticorps antigènes qui sont donc qui ont donc qui sont précipités, qui sont donc sur le, ils ne sont plus solubles, ils sont donc précipités à leur place. Donc la mise en évidence des précipitines par immunoprécipitation, on a les techniques d'Ostellini ou la Mancini. Qui m'a dit comme ce sont des techniques qui élèvent l'anticorps, l'antigène spécifique à lui. On a utilisé l'antigène, on recherche l'anticorps le sérum de la patiente. Ça veut dire qu'on a la belle ébouche comme antigène, où je prends le sérum de la patiente, où je vois est-ce que ce patient a un anticorps spécifique à l'antigène que j'ai mis. S'il y a la formation de la croissance de précipitation, la réaction elle est positive, ça veut dire le sérum de la patiente a un dos des anticorps antigène que je cherche. Et par conséquent, les symptômes liés à un dos, c'est à cause des complexes MA formés entre l'antigène et l'anticorps. Parmi les méthodes aussi, c'est la détection et la caractérisation des cryoglobulines. Il faut savoir qu'il y a quelquefois les complexes MA ADO influencés par la température. Donc leur précipitation, elle est influencée par la température. C'est pas dans tous les cas figure. Hein. Quand il y a des complexes MA, il peut se déposer n'importe quelle température. Mais quand il y a des complexes MA, on peut avoir des cryoglobulines ou des anticorps influencés par le froid, c'est-à-dire ils précipitent au froid lorsque la température est inférieure à 37 degrés, sur la 36, 35, l'essentiel inférieur à 35. 37 degrés et c'est qui se dissolvent au chaud. C'est-à-dire, mettons le froid inférieur à 37, il se précipite. Mettons dans un milieu où la température supérieure ou égale à 37, il devient soluble. Mais je précipitant, je soluble. Hado les immunoglobulines qui ont cette caractéristique, c'est mieux les cryoglobulines parce qu'ils ont influencé une caractéristique physique influencée par la température. Précipite inférieur à 37, il est soluble à plus ou égal à 37. Et on les classifie. Bien sûr, hadou les immunoglobulines, ils peuvent former des complexes MA. Et par conséquent, si vous lisez les complexes hadou MA précipitant au froid, et ces complexes MA, ils sont solubles au chaud,
qui m'a l'immunoglobuline qui a formé ce complexe MA. Donc, je répète, qui crée une globuline HD, elle se lie à son antigène, elle va former un complexe MA précipitant au froid et qui est déjà soluble au chaud. On classifie cette cryoglobuline qui peut former des complexes MA donc selon la nature de l'immunoglobuline. Si nous sommes devant une immunoglobuline monoclonale, donc une immunoglobuline monoclonale, là, nous sommes devant une cryoglobuline. هنا هي على كلاسيفيكاسيون اي على حسب لا كريوغلوبولين على حسب الايمونوغلوبولين سي با على حسب الكومبلكس اي ما انا مون بوت هنايا ان دوفون لي مالادي هادو ا كومبلكس اي ما il faut nous chercher la notion هادي باسكو قادر تخرج لك انت لا رياكسيون نيجاتيف ولا باسكو هزينا لو سيروم تاع لو باسيون حطيناه باسكو لو سيروم تاع لو باسيون دون اون بياس ا 25 دوغري il va se déposer كي نديرو لا سنتريفيغاسيون on va avoir un sérum sans anticorps. Parce que l'anticorps, les canfis, sont anticorps spécifiques à l'antigène que je recherche. Ça veut dire pas, on a fait un anticorps. Non. Ça veut dire, je cherche un patient, par exemple, le lupus. Je vais faire une technique de détection. Des techniques, par exemple, on va dire, par exemple, cette technique, par exemple. Peut-être, je vais faire cette technique. Ou la handler une technique d'immunofluorescence indirecte où on n'a que le cerveau de la patient sans le tissu. L'essentiel, il faut mettre en tête que peut-être l'immunoglobuline qui se précipite au froid. C'est-à-dire, si je prélève le patient, on met le prélèvement à le patient dans une pièce à 25 degrés. Donc l'immunoglobuline qui est une cryoglobuline, elle va se précipiter. Donc, une fois que je fais la centrifugation pour récupérer le sérum, elle va avec l'immunoglobuline qui a précipité, elle va trouver le kilo globulaire. Et par conséquence, je vais prendre le sérum de la patient, par exemple, le sérum de la patient est négatif, je n'ai pas donc l'anticorps que je cherche. Alors, non, qu'il y a l'anticorps, mais elle a précipité. Donc, je dois refaire le test. En respectant donc un protocole, qu'on utilise si on suspecte qu'il y a une cryoglobuline. Ou on prélève le patient directement, on prélève le patient, on le met directement dans donc un autoclave où la température réglée à 37 degrés. Ou là, on fait un bain-marie, l'essentiel garder ou la température. On le prend, on le centrifuge, ou même dans la centrifugation, là, on programme la centrifugeuse à une température de 37 pour ne pas perdre. Bah, je récupère le sérum. Bah, une fois que je récupère le sérum, je le mets au froid normal. Parce que là, je veux visualiser donc la cryoglobuline. Mais avant, laisse même perdre des H. Je ne dois pas perdre la cryoglobuline avant la centrifugation. Une fois que je fais la centrifugation, pardon. Une fois que je fais la centrifugation, où je récupère le sérum, je sépare le sérum multiglobulaire, je mets le au froid, à plus 4. Au contraire, je veux visualiser, parce qu'elle va former donc un nuage de sérum. On peut attendre 7 à 10 jours. Pour la visualiser. Il va le guider sur un nuage ou là, il y a des flocons en neige fait avec le sérum. Je comprends bien. Devant une cryoglobuline, ou ce mec a une autre méthode pour l'isoler, mais le sérum, je me fous toute l'étape de la technique d'identification de cette immunoglobuline ou la cryoglobuline. L'essentiel, la classification de l'immunoglobuline. Il faut rechercher est-ce que l'immunoglobuline est monoclonale. Si elle est monoclonale, nous sommes donc devant le type 1. Si elle est donc faite par des IgG polyclonales et des IgM monoclonales, rana fait type 2. Si elle est donc la cryoglobulinémie mixte. Ou si elle est faite par des IgG et des IgM polyclonales, rana fait type 3. Type 1, je vois le myélome multiple ou la maladie de Waldenström, qui sont des cancers des plasmocytes. Type 2, on le voit les infections chroniques et la maladie auto-immune.
Le type 3, on le voit, les maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux disséminé ou les infections chroniques. Donc, type 2, 3, les deux ne se font les maladies auto-immunes ou les infections chroniques.